Salut à tous, comment vous allez? Bien, aujourd'hui, pour cette petite vidéo, je suis un peu soufflé, j'ai couru, des toilettes à ma chambre, donc j'habite dans un château. Bon, alors là, on est en petite coupe Halloween, Monster Bull, je sais pas quoi là, Monster Ball, et j'ai gagné 3-0 le premier tour parce que je suis un peu gosse. Je vous présente mon équipe, l'équipe Skill, l'équipe Skill avec que des Marocains. Vous avez vu le nom de la team, Blader Team, désolé pour tous les Bladers. Bref, cette équipe est une très forte équipe skill, même si je sais pas trop skiller, c'est pour ça que je m'entraîne, vous allez voir dans cette vidéo que j'ai très bien skillé en fait, j'en sais rien parce que j'ai pas encore fait la vidéo. Mais donc c'est du direct et tout, je suis un mec qui fait du direct, je suis un mec comme ça. Déjà, est-ce que nous allons trouver un adversaire qui veuille bien affronter le grand puissant Mekishino? Je vais arrêter là les flatteries parce que... Ah, je suis soufflé. Ah, en fait, j'espère que vous allez bien. Je vous l'ai demandé, mais vous m'avez pas répondu. Répondez-moi un message si vous allez bien, parce que j'en ai marre de poser la question et personne ne me répond. Bon, j'ai l'impression que je vais devoir encore faire une pause. Alors, quand je suis pas en vidéo, je trouve assez vite. Ah, c'est bon. Je veux dire, quand je suis pas en vidéo, je trouve assez vite, et dès que je vais faire une vidéo. Un supporter de Marseille, 135 City, wesh wesh ma gueule, qui ont gagné contenance sur un match bien dégueulasse. 1-0. Alors, ce soir, hein, oui. Ouh, une signée Higuain, Cuadrado, Dybala, Nengolan, Pogba. Bon, je pense que ça va être un match vite fait, bien fait, et que ce sera le dernier match, parce que je pense pas que je vais aller plus loin. C'est qui ça, Manolas? Oh putain. Kilini, oh là là là. Vous avez juste assez de thunes, en comptant, je dois être à 420, 430 000 crédits. Donc, on va essayer de bien jouer avec mon équipe qui vaut là, 12 000 crédits. Même pas, et voilà quoi, j'ai faim aussi, je vous le dis, même si vous en foutez. Ouais, je déteste ce stade déjà, pour vous dire, putain, je déteste les stades où il y a des ombres. Je sais pas vous, mais moi je déteste ce genre de stade. J'espère au moins passer le premier tour, enfin j'ai passé le premier tour, mais... passer ce tour, on peut pas perdre contre un français, Jack Daniel 135. J'imagine que c'est un français, parce que pour mettre le blason de Marseille, enfin le logo de Marseille. Ah, ça c'est ma spécialité. Les mecs adorent des trucs comme ça. Dégage, s'il te plaît, putain, va sortir. Ah ouais, mais y'a faute, je suis désolé, c'est des trucs comme ça. C'est à cause de trucs comme ça qu'on perd une guerre. Enfin, qu'on perd un match. Enfin, merde, qu'on perd, quoi, tout simplement. À cause de conneries comme ça, là, où une touche ou qu'il y a faute juste avant, il me pousse. Sinon, y'a pas touche. Oh, il a du soutien, oh, ça peut aller au bout. Ah putain, mais. Ah, c'est bon, on n'est pas mort. La guerre est toujours d'actualité. De toute façon, on peut perdre un match, mais pas la bataille. Bon, allez, on va se concentrer un peu. C'est pas parce qu'il y a une plus grosse équipe que moi, faut se démotiver comme ça. Bon, allez, magnifique. Oh, l'arrêt du goal! Putain, c'était une très belle action. Hop hop hop, Sofiane Boufal, il est tellement fort ce joueur. Oh là là, mais... La Sofiane Boufal, tu es le roi de cette équipe, tu marques comme un foufou, tu es trop fort, Sofiane Boufal, la 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 la. Ouais, je chante, alors je sais pas comment ça va passer au micro vu que j'ai un micro de merde. Oh oui, Adel Tarab qui est tout seul. Adel Tarab et le but! Oh là là, le Marseillais qui prend l'eau! Oh, le but de Adel Tarab à la 30e minute pile, hop, il est mis un petit peu dans le vent comme ça en s'arrêtant. Et là, il finit avec une enroulée. Une chanson pour Adel Tarab. Non, on n'a pas le temps, on n'a pas le time, on n'a pas le temps quoi. Ah, le tout droit de Dybala, Dybala que je voulais tester, mais il vaut très très cher. Nengolan. Oui, il a un peu d'espace. Ouais, le talonnade, bien joué. On arrête là, qui les sonne. Cette équipe est quand même une très bonne équipe, hein. Je vous la conseille, avant j'avais un peu de mal à jouer 2 MOC. 3 MOC, je voulais dire, excusez-moi. Je déteste son stade. Putain, qu'est-ce qui pue la merde.
Oh là là, il me met un but au moment où je critique son stade de merde. Putain, trop de fumion, de trop de balles. Le gardien est battu. Oh, quelle tête, quel timing. Un petit but d'avance donc, le score est de 2 buts à 1. Je vois rien là, j'ai mal aux yeux, moi je ne vois rien, et voilà, et le but, voilà, de merde, hein. Je n'ai pas de balle, bien entendu, il n'y a que dans FIFA, je n'ai pas de balle, oh, bien entendu, il n'y a que dans FIFA, quand tu tiens sur le poteau, ça te revient pile poil dans les coups. Voilà, de 2, alors j'ai gagné 2-0, j'avais le match plutôt en main, il a suffi de 2 actions, et puis... Delta Rap, but! Putain, ça va être un match de fou, je le sens à Delta Rap qui... Ah, il était vexé, hein, qui les autres prennent l'avantage comme ça. Voilà quoi, on s'est pas laissé marcher sur les pieds et on a prouvé qu'on était des joueurs de talent. Même si nous ne comptons pas cher, nous sommes forts. Nous tenons à le signaler à Delta Rap pour le 3-2. Ça c'est du tac, ça c'est du tac, la relance. C'est pas grave, la récupération. Allez Bouffal, tu nous montres un peu c'est qui le chef. Oh là là, on remet la tête. Oh oui, il a Delta Rap. Oh, il est mérité, il est mérité. J'avais fait la bourre avec Sofiane Bouffal, il est vachement mérité quoi. C'est trop joli les gars, bien joué, bien joué, bien joué. Oh, la tête en barre 31, celle en 30. Quel match de fou, quel match de fou, quel match de fou. Fou. Oh putain, ouais, je suis désolé, y a pas faute, y a pas faute, y a pas faute, y a pas faute. Allez, on continue. El Kadouri. El Kadouri. Oh, pop, c'est mal joué. C'est mal joué. Il y avait un joueur tout seul à Delta qui n'a plus de vitesse. Il y avait Amrabat tout seul. Bon, les gars, 4-2 à la mi-temps sur 6 tirs. C'est un ratio plutôt positif. Le mec a tiré deux fois au but. Enfin, tu tires cadré deux buts. C'est un ratio aussi très positif. Alors, bon, on va essayer de reprendre un peu plus d'avance. Enfin, quoique 4-2, c'est pas mal. Mais bon, tout à l'heure, il est revenu assez vite quand même. Oh, Amrabat, ah là là, Nengolan qui a résisté physiquement. Dommage, dommage. Le corner, eh, je veux marquer des buts de fou là. Oh putain. Et à devoir protéger son ballon. Elle a dit. Oh, le tac, ça va prendre carton rouge. Oh non, ouf, j'ai eu peur. Ouh, putain, il aurait pu rentrer. Oh là là. Oh là là, mais mon gardien n'est pas dans ce match, je suis désolé. Là, il a. Je trouve un peu de. Bon, après la passe elle est bien faite, voilà, bon, fini par marquer Cuadrado, mais mon gardien, pff, il est pas terrible sur le coup, il ne fait pas le travail comme il veut, comme il faudrait. L'application surtout, le geste parfait pour toute la bonne circulation du ballon. Oh, il se trouve bien. Oh, le gardien qui arrête, Gianluigi Buffon. Il peut revenir assez facilement, il a quand même une très très bonne attaque. Hein. Même s'il a aussi une très bonne défense. Je me sens plus en sécurité en attaque quand même. Parce que la défense c'est pas ça. Hein. Ça a pas l'air d'être ça sur ce match. 3 buts c'est quand même beaucoup. Oh non, bah je comme lui. Puis mon joueur il revient et puis il repart. Non mais. Allez Kylini. Putain. J'encourage Kylini. Moi. Je suis vraiment nigo. Allez tire. Putain. Ah, c'était tellement bien joué encore, on a vraiment pas de bol. Putain, en plus il aurait pu retirer à me rabattre, mais je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il a branlé, mais il a pas tiré. Oh, le sombrero. Oh non, ça passe pas.
Allez, El Khadouri. Oui, El Khadouri. Mais oui, c'est magnifique. C'est bien joué, franchement, on mérite cette victoire. Je pense qu'au niveau de termes de jeu, nous sommes supérieurs à l'adversaire marseillais ce soir. Stop bas, le joueur est... ne tacle pas, mais il est quand même... Ah, il va rage quitter. Oh, il rage quitte pas à 5-3. Enfin, moi, personnellement, je ne rage quitte pas à 5-3. Enfin, bref, ça me fait aller chier quand même qu'il rage quitte parce que c'était un bon match, il y a des buts de tous les côtés. Donc, je pense que vous devez aimer ce match, quoi. Mais non, il décide de faire entrer. Je pense que ça va être un gros joueur. Alexis Sanchez, c'est qui ça? Il a fait rentrer un joueur, je pense, non? Ribéry. Voilà. Je trouve que c'est Alexis Sanchez. Voilà, bien joué Kylessen qui fait un arrêt. Moi, il peut faire rentrer Ribéry. On voit que c'est quelqu'un qui a les moyens. Moi, franchement, j'aurais les boules de perdre contre une équipe aussi pauvre. Mais voilà, quoi. En même temps, on n'a pas tous le talent de Mikichi. Qui se vante trop. Allez, Amrabat. Allez. Oh, la passe de merde d'Amrabat. Amrabat, tu vas pas marquer sur ce match, t'es pas sérieux quand même. 5 buts, tout le monde a marqué, t'es obligé de marquer. Pas tout le monde a marqué. Par exemple, il en a marqué 3, j'avoue, mais. Ribéry, ça va être un joueur difficile à prendre. Bien joué, Van Beek. Oh, Buffal, non, c'était mal joué. Ribéry est passé. Je passe. Ouais, si Marquis avait un peu de bol encore. Oh, le tacle. Ni un point faute. Et ben il va me faire chier hein, parce qu'il est en pleine forme. Il vient de rentrer. Oh, ça va, il skill comme un gogol. Je les touche comme un gogol, mais c'est bon là. Et oui, Amrabat qui marque au final sur la passe de El Khadouri qui lui remet la passe décisive que Amrabat lui avait mis sur le but d'avant. Franchement, je trouve que c'est encore bien joué, même si c'est pas une très grosse action collective. On récupère le ballon. Bon, la direct passe en profondeur, on a vu le trou et Amrabat qui finit. Franchement, c'est un beau match. Un beau match. Après, je sais qu'ils vont dire, c'est de triple et tout. Je sais. Je compte m'améliorer là-dessus. En tout cas, là, c'est difficile. Et il s'est mis en ultra offensif, je pense, ou en offensif. En tout cas, il a le ballon. Donc on joue en contre-attaque sur ce, je pense sur la fin de match. Sofiane Boufal. Eh bon, victoire les gars, tranquille, 6-3, tranquille. Il m'a mis un peu de pression, mais en tout cas c'est une très bonne victoire pour le peuple du FC Pigeon, donc et mon club, et pour tous les abonnés qui me regardent, et même des gens des fois qui sont pas abonnés qui me regardent, donc abonnez-vous, je le dis jamais, je ne le dis jamais. Bah là, je le dis, abonnez-vous quand même, c'était quand même un très bon match. Je ferai peut-être les... Là j'ai pas trop le temps, mais je ferai peut-être les vidéos... des vidéos pour montrer les matchs d'après, même si sûrement je vais perdre comme une merde. En tout cas, c'était un beau match, j'ai envie de vous dire. Je l'ai déjà dit, donc je vous souhaite une bonne fin de ce que vous faisiez avant de regarder cette vidéo, comme d'habitude. Vous connaissez la musique. Ta la ta 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 ta, au revoir.